coup de luck. Bonne chance, l'ami. Tu commences. Je commence. Ouais. Ok. Alors, je vais commencer par tour viandant. Très bien. C'est le tourbillon plus noir, ça. Ouais. Je vais norme Armatan. Donc, proc ça, et ça, ça fait quoi? Ça, c'est quand j'invoque un synchro ténèbres, je peux spé un dragon aile sombre ou un aile noir qui est banni ou dans le cimetière. Ok. Et c'est une fois par tour, et une fois par, par exemplaire. Si, je la fais, si j'en ai deux, je peux le faire deux fois, et après, c'est enfin, au proc au prochain tour. Avec quelques trucs qu'on va pas faire faire, tu peux retirer un compteur plus noir. Ok, très bien. Je norme et fais tourbillon noir. Très bien. Ça passe? Ouais. Non mais tuto, un aile noire qui a moins d'attaque à lui. Tu t'as fait. C'est moins de vie. J'ai tenté son effet. C'est le piège du coup, les poser. Effet soit. Sorte de passer en battle. Tu vas pas être en face. Orochi. Comment? Lui, c'est un Sinto qui peut venir et quand tu l'utilises en tant que matériel Sinto, je peux changer de position en monstre. Et lui, il prend, quand tu invoques Enna ou Mouspé, tu peux ajouter un niveau d'un monstre aile noir sur le terrain. Uniquement quand tu l'as invoqué. Je spé. Très bien. Je tire à toi. Ouais. Je tente les effets top. Ouais, effet. Pour spé un monstre niveau 4, ténèbres, bête et oui, vas-y. Les effets sont annulés, il ne peut pas être utilisé comme matos client. Ah oui? Alors, je renvoie un en main, je crois que c'est ça. Ouais. Je te laisse cible. Effet manuel, je vais bannir ça. Très bien. Effet. Effet. À la fin du tour, je peux prendre. Je vais faire une synchro. 4 en main. Donc, je vais faire chaîne 1. Chamal. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Lui, c'est je le bannis et je peux prendre en carte une carte aile noire du cimetière, elle rajoute en main. Très bien. Tac tac tac, et puis placer un monstre là. Je reçois 700 dommages lorsque je fais cet effet. D'accord. Donc là, j'ai fait chaîne 1 ça pour récupérer ça, ça passe. Et puis chaîne 2, tourbillon noir pour spé. Ok. Chamal. Ok. Donc j'ai perdu, je suis là, 700. Moins 7. Je vais spé ça. Je fais pas l'effet. Je vais faire une 5 ou 6. Effet crap. Je vais faire venir Boreas. Je fais Boreas quand il a invoqué spé. Envoyer un monstre. Ouais, vas-y. Et je l'attaque. Et chope le niveau, donc là je vais envoyer. Devient niveau 4 et c'est un Sinto. Très bien. Effet Zephyr, je le spé, ramenant ça dans la main. Je paye 400. Oui. Je la refais. Je vais faire du coup les niveaux 4, 7, 8. T'as des locks là ou pas du tout? Là, je suis locké en ténèbres.
enfin que Ténèbres depuis l'extra deck, mais c'est là je crois qu'il y a même rien qui me bloque pour le moment. Je vais ramener Dragon Elson. Je vais rien. Vas-y, vas-y. Ton dragon Elson Brella. 6. Je vais faire 5006, 5008. Ouais, je vais faire effet de tourbillon plus noir. Encore ? Oui, parce qu'elle revient comme je l'ai fait avec 2002. Zephy. 2002, je l'ai refait revenir en main. 2003, donc là, je peux refaire 2005, et du coup, invoquer ce mec. 3500, 4006. Je vais faire une synchroneur. Alors, attends. Comment je fais 200 ? J'ai un chiant, c'est. Ah, ça. Puis je vais invoquer SP en bannissant ça et ça. Faire venir. Attends, comment ça? C'est son effet. Ah, tu peux prendre les monstres depuis le cimetière? Ouais, je peux l'invoquer en. Non, mais tout bien, je te crois. Il fait quoi? Hiberne de 700 par effet de monstre. Et je lui mets un compteur dessus. Et dès qu'au bout de 4 compteurs qu'il a de sur lui, je peux faire un effet rapide pour envoyer au cimetière. Enfin, tout détruire. Toutes les cartes sur le terrain, les envoyer au cimetière. Ah non, c'est lorsqu'il est spé, c'est ça? Et donc, je suis en attaque. Et donc là, si avec lui, tourbillon noir, s'il y a un monstre que je contrôle, il doit être détruit au combat ou par un effet de carte, je peux retirer un compteur plus noir. Donc, à ses compteurs. C'est une protection. Je vais dire. Phase, hein. Attends. C'est madrophase. Attends. En une phase, t'as l'effet de Magnamoud d'abord. Ouais, bien. L'effet de Magnamoud, je vais aller chercher. Très très bien. Brise du Vurme. Avec quoi il a spé au trade là? Hein? Avec quoi t'as spé au trade? Avec Dragon El Sombre et. Oh, putain, c'est un dragon! Oh, ça c'est stylé de ouf! Et il est bien au trade! Ah bah ouais, je confirme! C'est ma drôle face! Je te remercie la Santa Rosa et merci de rappeler, c'est très très bien vu. Je crois qu'on est obligé. Donc, et s'il se passe quelque chose en stand-by? En stand-by, y'a rien. Donc lui, dès que tu fais un effet, il y a un compteur qui va sur ton monstre. Donc, dès que tu fais un effet de monstre, lui, il a un compteur, tu fais tes burn de 700. Je vais commencer par activer Paul Extra là-bas. Paul Extra. Tu vas m'enlever 6 cartes de l'extra, s'il te plaît. Ouais. 6 cartes de l'extra. 6 cartes de l'extra. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiens. Donc là, moi, j'ai 2 en main. Je peux y aller? Je rêve. T'as combien en main là? Là j'ai 5. T'as 5 en main, peu d'extra. Tu veux draw 2, vas-y, vas-y, draw 2. Tu veux, c'est ce qu'il fait le dragon. Ouais, il a fait rapide, ça annule l'effet. J'ai réussi à faire ça avec ça. Hyper, là-dessus. Je rêve, je vais faire effet de dragon bouillon dessus. Ça annule. C'est n'importe quelle carte. Oh, jouer contre une guitare quand tu connais pas. C'est contrat. C'est contrat. Lorsqu'il y a un joueur qui a un soit des dégâts égaux à la fossile. Objectif fossile. Pour du coup. Tuto un dinosaure de niveau 6 ou moins. Tuto un dinosaure de niveau 6 ou moins. Vas-y, vas-y. Je t'oblige à la manière de sortir. Je vais retourner dans le deck. J'ai une arme à vie, effet. Tuto un dinosaure. Tuto un dinosaure. En foulie. Tiens, mon 700. Mon 700. Et là, un contre. Tu foulies, c'est ça? Ouais, vas-y. Non, je tuto. Bon. Chercher Dogo. Le kaiju dessus. Ouais, ça va. Ah, c'est le seul moyen de le passer. Ouais. Ouais.
Comment ça marche les... C'est dès que tu fais un effet, dès que j'ai 4 compteurs, je peux... Active un effet de monstre, c'est un compteur... Très bien. Je défausse Michel. Les dinosaures sont inaffectés par ces effets activés sur cette même phase. Ouais, les effets activés, cette même phase. Ok. C'est pas effet activé sur les 700, c'est pas du effet activé, mais je peux pas... Donc là, tu payes... Tu fais un effet? Ouais, ouais, je banne Michel pour invoquer SP1 niveau 1 puis mon deck. Ok. Vas-y. Je déclare l'effet de Arcos. Je détruis bébé, je cherchais la pilule. L'effet du bébé. Putain, c'est pire que Mascarade ton merdier en fait. Le mec il risque derrière son truc là. J'attends. Effet Ovi là-dessus. Ouais. Effet de lui. C'est cost, hein. Ouais, j'ai cost. Pas le choix. Ok. Je vais faire effet musculaire, je vais bannir. Et banni 3. Et c'est dès que tu quittes le terrain, je peux envoyer une carte au cimetière. C'est pas effet. Donc en fait quand tu vas déclarer l'effet, je vais gros là-dessus, tu vas le reprendre en main. Puisque tu targetes. Ok. Donc ça fait chaîne 3, chaîne 2, chaîne 1, je résous etc. Non, t'as fait effet gros, moi 700. Effet pancras. Target 2. C'est toujours une expérience incroyable. Target ça. C'est la dernière fois que j'ai fait ça. Effet UTC. UTC pour. Effet rapide, je vais détruire un monstre sur mon terrain dans ma main et je fais dans tout le monde sur le terrain. Hop là. Il y a quoi qui est pas. Il y a que lui qui va pas être face down. Quelqu'un va pas être face down. Donc là, tu cibles ce que tu détruis. Vous pouvez détruire un monstre dans votre main sur terrain. Je cible rien du tout. Je vais faire effet quand même de lui. Je vais enlever 4 compteurs. D'accord. Attends, je rêve. Parce que si moi je me pèse, si j'ai une sorte, je vais pas envoyer. C'est que chez toi. Donc là, ça protège des effets activés, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais dinosaure uniquement, donc Garna il va peut-être mourir. Ouais, mais si j'ai Garna, c'est pas. Attends, c'est effet rapide ton machin là. Ouais, ouais, c'est effet rapide. Quoi? Tu sacrifies cette carte avec minimum 4 compteurs plus noirs. Ouais, donc ça. On va sacrifier. Minimum 4 compteurs. Non, je vais pas le faire. Son face down, son face down. On est face down, ouais. Et moi je détruis Garnet de sécurisation. Dis pas. Sinon c'est en fin de mois. Ensuite, j'active l'effet de rapport de ferraille, je suis un guide bébé. Et il me casse les gueules. Ouais. Donc, en fin de battle, je vais activer ma dimanche. Yes.
Je fais une X6-4. Dans le cas, je rentre en phase de bagarre. Ouais. Je tape ici. En 2100. Tu peux attaquer tout si je perds 1000 par achat. Alors, ouais, en fait, c'est ça. Ouais. Du coup, j'active l'effet. Je prends 1000 et j'ai envoyé au cimetière. Pareil, je tape ici. Je prends 1000 et envoyé au cimetière. Encore ici. 1000 et envoyé au cimetière. Et je craque à 2003. C'est moins 2003, c'est ça? Moins 2003. Il me reste 500. Bah, encore 1004 là. Très bien. Allez les autres, c'est parti les amis. Ouais. Combien? Je pose un tour. Très bien. Deux tours. Pas bien. Norme chaman, chaîne 1, chaîne 2. 1400, je vais chercher moins. 2006, je vais chercher moins. Vas-y. Quand j'ai vu le ça détruit et bat 4. Je vais chaîne fracas. C'est fort ça. Ah, mal, c'est sympa. Je vais spé. Ça va. Effet. Pas les chiens, l'effet de chaman. Je vais sacrifier pour mettre un fusil en plus mort. Son poste est sacrifié. Oh zut, il a juste son gros de boule. C'est bon? Ouais. C'est pas lui qui doit faire. Ouais, ouais, ouais. 22. Thérésia, style machin, diplos. Il manquait des communes, en fait, je les ai achetés bien plus cher que ce que je te disais. Ouais, mais normal, ça a bien décoté. Je commence. Je prends la main. Ça passe? Stand-by. Tu révèles un d'abord? Ouais. C'est le cos, c'est de révéler un. Mais je reste lequel? Après c'est facile à faire. Quand tu peux le résoudre deux fois, t'as gagné. Je voulais juste vérifier si t'avais encore des solutions. Effet enchantresse depuis ma main. Activé vite, aux effets cool, et puis je joue en fait. C'était un boss classique. Le problème, c'est que tu avais ton terrain sur le bord, tu pouvais activer tes magies. Qui permet de laisser avoir la suite. Ah, ça fait quoi? Donc là, j'envoie des monstres jusqu'à avoir un niveau 8 et je spé un dragon Elson. Ah, tu fais une synchro depuis le deck? Ouais, avec lui. À peine fort. Et le pire, c'est que je me suis dit, je joue pas autour de vous. Tu y as pensé? Ah, j'y ai pensé. Ah, donc là, tu dois trouver un niveau 6. Bah, trop, c'est joué quand même. Ouais.
Elle, non, niveau, c'est minimum une, donc ça peut être 4 du moment que j'ai niveau 8 au final. Ça, ah oui, ok, d'accord. Vous voyez les deux là. J'en ai marre d'avoir raison. Et le je veux faire quand même. Ouais. Il y a de la moitié de l'attaque originale. Ok. Je vais faire effet défi. Tu bounces. Je récupère ça en mage de speed. Non, je perds pas, ça va sur Dragon Elson. T'inquiète. Je vais faire effet. Mistral. Ouais, très bien. Le maître des armures. Ouais, si, on est à 41. Non. Ah non, lui il est chiant. Effet de chaman, je le bannis et je récupère un monstre en un. Ah ouais? Non, x2. 3 c'est 8 et 43. Et hop, ça me met 2 compteurs, normalement je perds 700, mais ça, je récupère juste de façon que je tombe. Plus jamais je joue à 3, j'en ai trop de fois en un départ qui servait à rien. Je vais commencer tous les effets même. Est-ce que je peux faire ça? Très bien. C'est quoi un supporter? Non, j'en ai qu'une, hein. J'en ai qu'une. C'est pour ça que j'ai l'heure, n'y était pas. Vas-y, c'est bon. Du coup, les 700 que tu subis, c'est lui qui prend aussi. Ouais, ouais. On demandait avant les gazos, mais. Tu peux pas. C'est quel effet? Cibler un monstre bétélé de minimum niveau 5 dans le cimetière. Ça va partir sur du bétélé. J'ai pas le choix de faire ça avec l'espèce 1. Je vais partir. C'est pas la lotte. Ça aurait été la lotte, j'aurais pas hésité comme ça, mais. Je profite. Magie PSP, ça. Je vais faire effet dragon et le son. J'enlève les deux. Tu perds 1004. Okay. Donc je cible lui, il perdra 1400 points d'attaque. Oh non. Ouais. 4. Hop. Je vais faire une sacro. Je vais faire revenir. Là, je peux pas. Le gamma, il m'a mis mal. Le gamma m'a mis très mal. Il faut. Et à toi. Une phase. Madrophase. Vas-y. Je prends pas de dégâts là. Non, là tu prends rien, tu peux faire ça à ton matin. Attends, je vais voir la suite de l'effet en fait. Effet
Donc c'est ça, t'infliges dommage de combat, ok. Donc, ça change rien en fait. Tu fais Michel. Je banne Michel. Je suis là, je crois, de toute façon. T'as quoi partir en combat? Pas vraiment. Ok. On va voir. Ouais. Et faire quoi? C'est Lily. Il est pointé. C'est lui. Ouais. Rien, j'ai pas le choix. Donc go sur la non-targetable. Pour récupérer le destin. Énorme raptor de ferraille. Ouais. Toi t'avais un damage step. L'SP blue. Magiki. Moi je suis joueur de tour, c'est un plus haut, un damage step. Scarbe. Il fait un tour de ferraille. Il cible lui-même. Deux en main. Il fait un cimetière. Ouais. Je vais pas retaper. Extra norme. Effet. Pilule. Cost. Un dinosaure, un non-dinosaure. Ouais. T'as les 8K? Ah bah là, là je suis ETC, bagarre. Mais t'as 8K? J'ai 3005, 3100, plus 1008, plus 1000. Ouais, bien joué l'ami. Putain, deux fois je me fais baiser par ces connes. Je savais pas, j'aurais dû rentrer. T'aurais dû me prendre sur celle-là. Oh, faut pas me laisser go seconde en fait. Tu me dis je go first, là je vais te bégayer un truc un peu moyen du tour 1. Faut pas me laisser go seconde. Genre vraiment mon go seconde il est. Surtout que j'ai vraiment des trucs de gros port en gros seconde. Ouais j'ai vraiment ça. J'ai trois dark couleurs. Mais l'autre là qui est pas affecté par les effets activés.